En cette année 2011, ce fut par la route et par bateau que Jeannette et moi quittâmes le continent nord-américain. Notre but, du moins en ce qui me concerne, puisque Jeannette y avait déjà vécu, partir à la découverte de cette île nommée Terre-Neuve, située à l'extrême est du Canada. Notre première escale, ce 16 juillet 2011, allait avoir lieu à Rivière-du-Loup, en province de Québec, au terme de nos premiers 650 kilomètres. Jeannette, durant ses vacances, comme d'ailleurs à chaque instant de sa vie, chaque occasion de louer le Seigneur est un devoir. Et je dois avouer que cette motivation allait me faire découvrir à moi aussi des endroits merveilleux durant ce voyage. Notre première étape, ce 16 juillet 2011, allait être de partir de Ottawa pour gagner tout d'abord Montréal, puis remonter sur Québec et finalement arriver à Rivière-du-Loup au terme de 640 kilomètres. Durant ce voyage, Jeannette allait avoir la chance de visiter trois endroits commémorant l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Le premier hommage devait avoir lieu, comme il se doit, à Lourdes, dans une petite municipalité, ou plutôt un rang en pleine campagne, du Nouveau-Brunswick. Nous sommes en Acadie, une région du Canada anglais où les francophones sont toujours très nombreux. Thank you.
De passage à Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick, Jeannette allait revivre en mémoire les 2 ans qu'elle y avait vécu. Cette grande ville compte plus de 124 000 habitants. En fin d'après-midi, nous arrivions à Moncton, également une ville très importante du Nouveau-Brunswick. Notre nouvelle auberge d'une nuit était située près de la côte magnétique. En effet, à cet endroit, il suffit d'arrêter le moteur de son véhicule au pied de la côte, de mettre votre levier de vitesse au neutre, et votre voiture monte la côte en douceur. Sans doute que mon véhicule était trop lourd, mais en ce qui nous concerne, ce phénomène ne s'avéra pas exact et rien ne se passa. Bien mérité, ma Jeannette. Ouais. On a fait bien des kilomètres. On est à Moncton. Moncton. Excusez-moi. J'avais le goût de manger quelque chose de bon. Ouais. Ma Jeannette, elle voulait manger encore. Elle voulait manger son panier. Alors, moi, je voulais. Santé. Des bons légumes. Ouais. Ça a l'air appétissant. Mm-hmm. Le lendemain matin, 17 juillet, nous allions partir de Rivière-du-Loup, sur les rives du Saint-Laurent, pour gagner la ville de Moncton, proche du golfe du Saint-Laurent. Nous allions partir tout d'abord sur Edmundston, puis Fredericton, la capitale, et pour terminer jusqu'à Moncton, pratiquement aux frontières du Nouveau-Brunswick. Nous avions traversé toute la province du Nouveau-Brunswick, au terme de 650 km à nouveau. Thank you.
on est arrêté sur la route en direction de Sydney parce qu'ils amènent une voiture, une maison avec un camion. Ils transportent des maisons. Pour gagner North Sydney, où nous attendait le traversier qui devait nous emmener à Terre-Neuve, nous dûmes traverser la province de la Nouvelle-Écosse. Boisée et très vallonnée, elle était également très riche en plans d'eau. Ça fait English pur, le prince William et le roi. Ah, mais c'est là. Elle accueille des fleurs, regarde ça, c'est magnifique. Le beau bouquet. Je pense qu'il y a des delphiniums, mais les autres, je ne sais pas ce que c'est. Toute beauté. Alors, pour la troisième nuit, à Sydney. Le 18 juillet 2011, que dit la fille, timidement pour ne pas réveiller personne. Ça, c'est la chambre numéro 1. À l'envers. Ça, c'est la chambre numéro 2. Je filme le soleil qui nous fait un dernier clin d'œil. Le 18 juillet. Nous étions vraiment dans les provinces maritimes. Nous allions traverser ce jour-là toute la province de la Nouvelle-Écosse jusqu'à North Sydney. Pour ce faire, nous allions partir d'abord de Moncton pour nous diriger sur Oxford, New Glasgow, Mulgrave et remonter jusqu'à North Sydney pour une étape un peu plus courte, celle-là de 450 km environ. À North Sydney, où nous attendait le traversier pour gagner Terre-Neuve. What is your name? Can you help yourself? Yes, sure. Enjoy. If there's anything else you need, I'll be over to look after you in a few minutes. That's very kind of you. Okay. Thank you. I'm so impressed that he wants to film that. Okay. Yeah. Well, that's good. That's a good spot. Thank you. Il y a voice, c'est ça qui me fait tuer pieds, les robes partout. Attention. Oui, regarde, même ça, c'est peinturé. Dans un studio de publicité, là, quand ils préparent des... Jeannette qui fait le service. Je ne charge rien, juste j'attends un pourboire à la fin. S'il vous plaît, faites-le gros. C'est une bonne madame qui a vraiment, vraiment le grand cœur. Je suis impressionnée. Et donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est ça, non? Mon Dieu, on est traité comme des rois. On est traité comme des rois. Il y a quelqu'un que je connais là-bas. Ouais. Et de bonne heure le matin, il est déjà... Oui, salut, salut. Combien tu veux de sucre? Ah, c'est un Canadien? Oh, c'est un Canadien. Combien? Alors, Eric, tu aimes bien ton repas? Il y a tout ce qu'on veut. Il y a tout ce qu'on veut. J'ai commencé par le jus d'orange. Après, il y a eu des œufs. Mm-hmm. Après, du café. Du yogourt. Des fruits. Wafer. Oui, des bagels, des toasts, des waffles. Mm-hmm. Il nous a gâtés. Il a vraiment, oui. Vraiment gâtés. Une bonne confiture. En tout cas, avec ses.
assiette-là archaïque, royale. Avec des services royaux aussi. Oui. Hein? On se sent comme... C'est on est traité comme des rois. Oh, oui. Oui. On le mérite, on est les enfants de Dieu. Oui, c'est ça. On travaille fort toute l'année, puis là, on se traite, on se fait plaisir. Là. Voilà. Mais on est en mission. C'est aussi le premier pension sur les trois qu'on a jusqu'à présent, où on est vraiment comme ça, aux cinq étoiles. Exactement. Ouais. Les plaques d'immatriculation. On reviendra. Ouais. La bleue, la barre bleue. Photo? Bah alors attends, je vais faire une photo maintenant. En début d'après-midi, il était temps pour nous de gagner le port de North Sydney. L'heure de l'embarquement approchait, puisque le départ de notre traversier était prévu pour 16 heures. Dis-moi si t'as le blues et le moral à zéro, et si tu déprimes quand tu vois la météo. Est-ce que tu t'ennuies pendant les heures de boulot? J'ai ce qu'il te faut. Si le matin tu te lèves comme un robot, et que dans la cage tu te sens comme un oiseau. Si pour toi la vie c'est comme un rodéo, j'ai ce qu'il te faut. Viens sur mon bateau, viens te faire bronzer recto verso. Sur mon bateau, changer d'air et vivre en stéréo. Sur mon bateau, oublier le temps sur un calypso. Sur mon bateau, y'a tout ce qu'il faut. C'est là où on a stationné. On va débarquer, on va monter au bateau. Sur le bateau. Sur le bateau. Oui. Jeannette. Oui. Alors. On est parti? Oui. On démarre. La ville de North Sydney. Un peu couverte, mais pas trop chaude, pas pluvieuse, hier. Sur mon bateau, il y a tout ce qu'il faut.